Avis aux bandits de Sanctuary. Ah bon? Il paraît qu'un chasseur de l'arche a posé ses valises chez vous. Oui? Livrez-moi cette crapule et je vous récompenserai. Mais non! Vous inquiétez pas, personne va vous dénoncer. Ah, merci! Vous êtes notre seul espoir contre Jack. Cool! Bon bah très bien. Bon bah salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et on a du boulot dans ce nouvel épisode de Borderlands 2. En plus, vous savez peut-être, il y a un nouveau DLC qui est sorti sur en fait le passage de Borderlands 2 à Borderlands 3. Il y aura quand même sur la chaîne, normalement, le plus vite possible, un maximum de contenu sur Borderlands, avec normalement le fameux jeu Telltale qui sera ajouté à ce let's play ensuite. Oh. Voilà, donc je prends toutes les quêtes et je suis à vous. Message à l'attention des pillards écarlates de la région. Sanctuary est la cible de 4 espions d'Hyperion se faisant passer pour des bandits. Ils sont retranchés à Freehorns. Trouvez-les, tuez-les et tâchez de découvrir ce qu'ils manigancent. Oui, comptez sur moi. Tu l'as senti ? Je préfère faire gaffe hein, maintenant, hein, je connais le truc. Je suis... Mais merde. C'est parti. Wouhou ! Vous pourriez me faire un avoir ? Cette arme ne marche pas. Avec plaisir. Je vois pas où est le problème. Pourquoi ? Ah bah merde, il est plus là le monsieur. Hé, hey, j'ai du boulot pour toi. Ah bah écoute, je suis preneur. De l'arche. Si tu veux rejoindre les pillards écarlates, tu devrais savoir comment marchent les armes élémentales. Mais je sais comment marchent les armes élémentales. Maliwan, jamais utilisé. Tu veux m'aider à les tester ? On se voit sur le stand de tir. Ouais, tu veux. Commençons par là. Les armes incendiaires font des ravages sur la chair. Mais contre un bouclier, c'est même pas la peine. Allez en enfer, bandit ! Bien. Grille-moi ce fumier impérialiste comme un bon vieux steak. Ah, il me faut des... J'aurais pas dû vendre toutes mes armes, alors. Cadeau. Ah, ah, le feu et la chair. T'as vu ça ? Choc. Ce fasciste d'Hyperion se croit à l'abri derrière. Ah bah, tout à l'heure tu parlais. Bah, j'ai pas d'arme électrique. Ah si, arme de mission. Ouf, il m'enfile. Prends ça, chouchou de Jack. Quelqu'un au but avec une arme électrique, ça ne... Tais-toi, je connais le principe. L'armure. Oui. Les cibles blindées comme ces satanés robots d'Hyperion peuvent encaisser beaucoup de dégâts. Regarde comment la... Ah bah je l'ai en main. L'armure de ce profiteur. Je te l'avoue, j'adore les armes. Bon, c'est au tour des nouvelles armes. Maintenant qu'il est scagué, ça va être facile de l'achever. Change d'arme et tire-lui dessus. Super. Les armes fonctionnent. Il est pas mort. Et tu as le bagage pour affronter le bout. Si tu veux acquérir une arme élémentale comme celle-ci, tu peux toujours en acheter une chez ton armurier préféré. Chez moi-même, oui, y a pas de souci, t'inquiète pas, j'y penserai. Ah, Murloc! Chasseur de l'arche, quel plaisir de vous revoir. Après que vous avez flanqué une dérouillée à ce malotru de Capitaine Flint, j'ai enfin pu quitter Thousand Shelf pour continuer mon almanach. Cela vous dirait-il de me prêter main forte? Oui. Un nom déroutant, n'est-ce pas? Je vais trouver mieux avant que mon almanach ne parte à l'impression. Allez donc inspecter leur tas d'ossements, voulez-vous? Oui. En étudiant leur régime, je trouverai sûrement un meilleur sobriquet. Vroom vroom! 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 Motherfuckers! Vroom! Il y a des rax, mais les rax ça m'intéresse pas. Bah t'es vraiment passé au mauvais endroit au mauvais moment toi. Ok, très bien. Ça c'est fait. Meurs charogne. J'ai dit meurs charogne. Encore une fois, meurs charogne. Voilà. Non mais toi aussi. Est-ce que ça c'est pas l'état de... Meurs, voilà. J'ai même plus le temps de dire mes phrases. Très bien. Syndrome de la tourelle. Oui, c'est un peu mon cas, je confirme. Attendez, on va quand même... Bonjour. Je vous ai entendu, mais... Voilà, merci, au revoir.
Ça, c'est pas un tas. Merde, il faut que j'aille les fouiller manuellement. Oh merde. Parce que j'en ai détruit un paquet quand même. Ah. Bon. C'est parti, go for it. Ce n'est pas grave. Normalement, ici, il y a plein de monde. Voilà. Ah, il est là, lui. Comment ça se fait que t'es là, en fait, en vrai? Comment qu'il est... Pourquoi il est... Aïe! Voilà! Voilà! Oh, il a pas lâché de... Falloir que je le farm, du coup, maintenant, si je sais qu'il est là. Je pensais pas qu'il était là aussitôt, je m'en rappelais pas. Il a rien lâché du tout? Putain, il y a un cadavre dedans, maintenant, je peux plus voir. Bon, très bien. Il me manque un tas de... Voilà. Bien, il est bon. Semblerait que les garous utilisent ces buts pour leur déjection. Cela suggère qu'ils sont aussi évolués qu'un primate. C'est ça. Baptisons-les Primanimaux. Je vais prévenir mes éditeurs. En attendant, allez donc jeter quelques grenades sur les Primanimaux. Que l'on sache si ce nouveau nom vous convient. Pourquoi il devrait me convenir à moi? Ah ah! Trouvé! Ça marche! Mes éditeurs détestent Primanimaux. Bonjour! Oh, des skags! Oh, plein! Parce que ce sont les créatures les plus féroces qu'il m'ait été donné d'observer. Et je sais de quoi je parle, un chernier m'a arraché le bras. Crac! Souvenir refoulé. Bah écoute, ouais, souvenir refoulé, ouais. Allez donc tester ce nouveau nom. Plombez quelques cibles féroces et nous verrons si ce nom fonctionne mieux. On le voit même pas, le coup d'épée qu'il donne. Parce qu'il en donne pas, en fait il donne un coup de... Bah, c'est dégueulasse. Et Céd, je crois que j'ai trouvé le bon endroit. Question. Combien de temps je vais devoir faire? Pas passer. À essayer de toucher leur projectile s'ils ne sont pas volontaires pour m'en envoyer. Attends pour moi. Ah bah oui, mais faut savoir aussi, hein. Ah, puis il y a un brutal. Ah, Tibaini. Je m'en doutais que c'était pour moi. Merde. Alors ça, c'est chiant. Ok, je l'ai eu. Lui aussi, je l'ai eu. Ah. Est-ce que tu veux bien m'envoyer un truc? Pardon, est-ce que tu veux bien m'envoyer un truc, s'il te plaît? Comment ça, vous me voyez? Comment ça, ils hésitent? C'est dégueulasse! Allez, envoie-moi un truc. Non? Et quoi, tu me gonfles? Bon, ils vont, c'est moi qui vais me faire gonfler, par contre. Bon, bah, c'est pas plus mal. Mais c'est quoi, je suis au sol qui m'envoie des trucs? Bande d'enfoirés! Ah ah! Flingueur! Génial! Ok, ça va être chaud. Wouhou! Let's go, je recharge. Oh, bah, je suis pas bon, hein. Ok, vas-y, fais péter. Et si je me fais toucher, c'est pas... Ok, c'est bon. Couille de skag. Ferrovor est une marque déposée. Oh, c'est que scrigne. Oui, j'en ai ma claque de chercher de nouveau... Vous savez quoi? Oh bah ça a pas marché. Font chier, oui. Appelons les font chier. Tu es en quelques-uns, ou pas. J'ai le cadet de mes soucis. Bah tu pouvais me dire... J'en ai... Mais j'en ai tué une centaine de millions. Vraiment, mais... Oh. Ah ah! Là, je suis persuadé de pas en avoir tué. Et il y a des trous... Bah voilà! Tu vois quand tu veux. Hop là.
Salut. Oups. Oups. Salut le flingueur. J'arrive. Ouh, t'as laissé une belle trace de sang orange. Tu rentres chez ta mère ou quoi là? Parce que les marches arrière, c'est pas ce qui est le plus rapide. Foiré. Mon éditeur dit que nous ne pouvons pas les appeler, font chier. Non! Après tout, Garogo n'est pas si mal. Ouais, je confirme, on a vu pire quoi. Tout ça pour ça. Alors, comme ça, je dois tuer quelqu'un au pistolet. Et il s'appelle What? What, 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 what. Ok, bonjour! Paraît-il qu'il faille que je tue quelqu'un au pistolet ici. Wouh, bonjour. Non mais lol, il fait des dégâts de zone tellement importants. Il fait des dégâts de zone tellement importants que tant que j'étais dans la zone, il m'a tapé dessus alors même si j'étais invisible. Je vais pas réussir à la voir, j'y crois pas. Si c'est bon, je l'ai eu. Je crois que je l'ai pas tué. What? Tu es là. C'était pas prévu. Le boss est déjà là. C'est vraiment trop drôle. Tu as déclenché mon piège. La mort va frapper. D'où? D'où? Ça ne l'a pas touché. Vos yeux sont menteurs. L'illusion vous trompe tous. Je vais vous avoir. Allez! Mais décide! Voilà! Ah, ça me chatouille le nez! Okay, c'est chiant! Putain, je suis plein. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Mystiques. Une sirène qui s'appelle Lilith. Ok. Selon les rapports officiels, elle serait morte à New Haven. Mais j'ai la conviction qu'elle est planquée à Sanctuary. Oh. Sa trace, il est trop fort. Moi, ok. Je vous verserai assez d'argent pour vous acheter un immense manoir, fait à partir de plusieurs petits manoirs. Merci. Bon, on va en finir avec ce fusil, ce pistolet, ok, ok. C'est un Jacobs, et il a du cac, mais c'est pas suffisant, ok. Non mais sérieux, arrêtez de reculer. Mais venez me tuer, mon dieu. Ils veulent pas me tuer. Oh, bonjour. Ah, très bien, il y avait un autre... Allez, décède! Décède! Ah la vache! Mais décède! Voilà! Le monde se dévoile et les faiblesses m'apparaissent. Au travail. Allez, décède! Voilà! Et qu'est-ce qu'il foutait oui, là? Je viens de réaliser un truc. Vous allez tous vous faire laminer si vous n'écoutez pas ce qui suit. Je t'écoute. Les sirènes naissent avec des pouvoirs de malade. Vous ne pouvez pas gagner. Je répète, vous ne pouvez pas gagner contre elles à la régulière. Si vous voyez l'élite, contactez-moi d'urgence. Je peux m'occuper d'elle, contrairement à vous. Moi, oui. Vous, non. Ouais. Ça, fallait peut-être les prévenir avant, hein, mais... moi, je dis ça, je dis rien, encore une fois. Eh ben, dis donc. Hop là. Ah, j'ai des... C'est quoi ce bordel? J'ai pas vu ce que c'était, mais ça avait l'air intéressant. Comment faire?
Ok. Apparemment, il est dans le coin, l'autre toutoune. Je les ai eus, vous croyez? Non. Je te fais pas peur, t'es sûr? Je te fais pas peur, t'es sûr? Je te fais pas peur, t'es sûr? J'ai pas de temps à perdre. Brutal en vue. Pour nous laisser tranquille. Ok, j'en ai eu un. L'autre il essaie de me brûler mais... pas me laisser avoir. Putain, son bouclier tient pas des masses hein. Aïe. Par contre en règle générale il est plutôt solide hein. C'est ma grenade qui m'a tué. Parce que dans ce cas là je suis baisé. J'ai trouvé un vieil enregistrement qui pourrait vous être utile concernant la sirène. Je suis à pompe, j'ai aussi. Lilith, depuis que l'arche a été ouverte, en fait, elle utilise de l'iridium pour améliorer ses compétences naturelles de phase. Naturellement, comment ne pas soupçonner un mystérieux rapport entre les sirènes, l'iridium et l'arche? J'ai fait deux autres découvertes. 1. Les sirènes n'aiment pas qu'on leur arrache des cheveux sous prétexte qu'on mène une expérience scientifique. 2. Elles ont en bouche comme un goût d'olive. De cornichons frits. Dégueulasse les cornichons frits. Dans ton cul que ça va finir là. Raté. Raté. Ah, Tibagne. Ok. Ok. Très bien. On tient le coup. On tient le coup. On tient toujours le coup. C'est de l'hémoglobine, hein. Cette peau aussi se fait vieille. Approche un peu. Grenade lancée. Voilà! On va essayer un truc. Parce que là, il va pop. Slash, il a pop. Furtivité. Non, ça marche pas. Inefficace. Merde, je l'ai pas. Je l'ai tué? Ma grenade l'a tué? Ouh. Ouh. Ouh, il est mieux que le mien. Par contre, c'était un Jacobs, le mien. Jette ça. Jette donc ça. Ok. Parti. Oui. Et au cas où ce ne serait pas encore rentré dans vos petites têtes de macaque, je le répète, oui. Arrêtez de me ramener des fausses sirènes. Quoi qu'il arrive, il ne peut exister que 6 sirènes à la fois dans l'univers, et j'en connais déjà 3. Alors vos tatouages bleus gribouillés sur des cadavres de gonzesses, c'est pas crédible. Je dois bien l'avouer, ça m'a passablement amusé les 10 premières fois. Il est malade. Maintenant, mon bureau empeste la vieille hémoglobine et l'encre séchée, alors y en a marre. D'accord. Autant pour moi. Excusez-moi, monsieur. Monsieur Jack. Nul n'est plus dur que Jack. Nul n'est plus dur que Jack. Ouh, du loot. Je suis déjà full de chez full. Oh, 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 ouf. Ouf. Oh, j'ai le kiki tout dur. Ah, il y a du repop. Il y a du kamikaze. Il est bien ce pompe! Il est même très bien! Et on le retrouvera dans le prochain épisode, ce pompe!